La magie de Noël 2011 restera à jamais gravée dans l'esprit des enfants du Messad qui ont pris part à un arbre de Noël exceptionnel. En effet, c'est dans les jardins du palais présidentiel, dans le quartier du Plateau à Abidjan, que le Père Noël leur a donné rendez-vous avec un peu plus de 1000 autres enfants. Venus des quartiers défavorisés et précaires de Abobo, Kumasi, Trècheville, Makori et Agamé, ces 20 enfants ont été sélectionnés parmi leurs autres camarades bénéficiaires des différents projets du Messad. Arrivés au siège du Messad à 11h30, les enfants ont reçu des conseils pratiques pour le bon déroulement de cette grande fête avant de partager un repas dans une ambiance festive qui annonçait les couleurs du grand événement qui les attendait. À leur arrivée à 13h30 au plateau, de longues files d'attente constituées d'enfants, de parents et d'encadreurs se dressaient sur le parking externe du palais. Après les formalités administratives et sécuritaires, les enfants ont pu découvrir avec joie l'enceinte de la présidence et ont pris place sous l'une des nombreuses tentes dressées dans les jardins du palais. Se fondant tout de suite dans la chaude ambiance de ce giga-arbre de Noël, les vœux ambassadeurs du Messad se sont laissés aller à des pas de danse, des cris de joie et autres chants sous la houlette des clowns et de l'animateur vedette des émissions d'enfants à la télévision ivoirienne Tonton Baba, qui leur a d'ailleurs accordé une séance photo spéciale. Un goûter leur a ensuite été servi avant l'arrivée de la première dame qui a donné le coup d'envoi officiel de la fête. Des prestations d'artistes, dont le célèbre groupe ivoirien Magic System, ainsi que différents jeux ont permis de tenir les enfants en haleine avant l'arrivée du Père Noël et la distribution des cadeaux. Enfin, l'arrivée du président de la République, invité surprise de cette fête, est venue ajouter encore plus de magie à ce table de Noël. Merci à Children of Africa pour cette opportunité et à tous les acteurs du Messad qui ont permis d'offrir aux enfants ce moment de bonheur dont le souvenir continuera de briller longtemps dans leur esprit à l'image des illuminations de Noël qui envahissent la ville d'Abidjan.